Il a fallu d'abord que cela circule sur les réseaux sociaux palestiniens. C'est ensuite arrivé sur des réseaux sociaux israéliens. Scandale, comment une jeune palestinienne se permet-elle de gifler ainsi un officier israélien? Et 24 heures après l'incident, elle a été arrêtée. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve sur les réseaux sociaux. Déjà à l'âge de 12 ans, elle a été filmée en train de donner des coups de pied à un soldat. Il faut dire que le village Nebi Salah, où elle habite, se trouve à côté de la colonie de Khalamish, près de Ramallah. Des terres de Nebi Salah ont été saisies pour agrandir la colonie. Les habitants, ils sont dans les 600, 700 habitants de Nebi Salah, manifestent tous les vendredis. Les caméras des agences de presse sont là, filment, il y a toujours des bonnes images. On a repéré donc une première fois cette gamine à l'âge de 12 ans. Un peu plus tard, elle avait près de 15 ans, en train de mordre un soldat qui essayait d'emmener un des gamins qui avait lancé des pierres. Et puis le dernier incident. Maintenant, les Israéliens, que dit-on, effectivement, ont fait une héroïne pour d'abord la population palestinienne et dans le monde arabe. Mais vis-à-vis de l'électorat de droite de M. Netanyahou, il était très important de ne pas laisser cela passer.